Salut tout le monde, c'est Redkov. Cette fois-ci, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefront 2, la campagne avec Hidden Versio. Alors, on m'avait donné une astuce, je sais pas si. On va éliminer au silencieux. Oh, j'ai un peu des lags. Attention, commandant. Une cible en approche droit devant vous. Ok, bon. Ah, ok, assez. Ok, détecte des capacités. Scanner. Utilisez pour faire un maximum de dégâts. D'accord. Ok, donc, ah ok, je peux m'équiper les cartes comme en multi. D'accord. Ouais, bon, bah on va mettre ça pour l'instant, le snipe, je ne vois pas trop utiliser le snipe. J'aime bien le chemin qui te... Bien vu, agent. On prend le relais. Lance-moi un scan. D'accord. Et on a Del qui est là-bas. On va s'occuper... Pourquoi c'est si long? Les pompes sont foutues. L'explosion a dû complètement les écraser. Tu peux l'ouvrir? Allez, on va niquer la galerie. Oh, la patate que j'ai mis. Et là, étranglement. C'est fait. Le bunker est sécurisé. Wow. J'ai des lags un peu intenses parce que... Scan. Allez, on va s'occuper des autres. D'autres rebelles. Attendez mon signal. Quand même. Par contre, ces coups-là, vraiment, c'est assez sympa. Hein. Je suis désolé. Tâchons d'ouvrir l'œil. Ariane, ce côté. Empêchez cette unité de récupérer quoi que ce soit. Sans leur commande. Ok. Électrocuté. Allez, tue-le. Oh, les cris qu'elle fait. Surveillez vos arrières. On a un homme à terre. Localisation des ennemis. L'un des patrouilleurs est mort. Allez. Ouh, ce tir. Rebelle en approche. Feu à volonté. Neutralisez toutes les cibles. Oui, commandant. Compris. Ok, ça c'était un objet. Ok, ça c'était un objet. Donc les objets, j'ai pas. Boum. Lance un scan. Wow, je sais pas tirer au snipe. Ok, wow, le bug. J'ai des lags infâmes. Je sais pas pourquoi. Pourtant, la première vidéo, elle était en ultra, ça allait. Ok, c'est bon. C'était concentré un petit peu de concentré. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me baisser la qualité parce que. Oh. Ça reste pas dégueulasse, ça reste un peu quand même, mais c'est assez soigné, on va dire.
Ouais, ça reste assez soigné en moyen. C'est bon. Oui, ça reste soigné. Ok, il y en a forcément d'autres. Ouais. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la... Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs PIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent. On sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes. Ah. Non, c'est impossible. Ça, c'est pas cool, ça. On se reprend, agent. On se recueillera plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on bouge. Avec vous, commandant. Là, c'est sûr, hein, tu... C'est sûr, quand t'es... Quand t'es pro-empire et que tu vois les... Quand tu vois l'étoile de la mort avec l'empereur qui est mort... Ouais, parce que là... Amiral, l'escouade Inferno évacue Andor. Quelle est la situation? Le vice-amiral Sloan a ordonné la retraite. Quittons le système. Regagnez votre vaisseau, commandant. Survivez. J'envoie les coordonnées du point de rendez-vous. À vos ordres. Quand nous aurons atteint le Corvus, nous vous rappellerons. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le piège était parfait. Quelqu'un s'est trompé. Le haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Non, il y a forcément autre chose. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'empereur a sous-estimé la force de l'ennemi et nous en avons payé le prix. Oh putain, juge l'empereur. Commandant, je... Puis-je m'exprimer librement? Vas-y. Je vous l'accorde. Je sais qu'on est entre nous, Isabelle, mais ça prône la trahison. Regardez le ciel, Ask. Ce n'est pas une trahison, si c'est vrai. Peut-être, hein. Mais je vois pas... Attention, commandant. Patrouille rebelle en approche. Merci, agent Miko. On s'occupe d'eux. Le bunker est juste ici. J'ai un visuel sur la patrouille. On devrait les abattre là, sur place. Vas-y vite, agent. Attendez que j'ouvre le feu. Mes excuses, si c'était aussi simple, l'Empire aurait été détruit sur Yavin 4. Et même s'il l'était, cette lune grouille toujours d'impériaux. Allez, on va les faire payer pour avoir osé détruire. Oh, dégage. Et escouade inferno, on a une escouade de caca. L'escouade caca. Oh putain. Patrouille neutralisée. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. C'est un truc à récupérer une caisse. Ah. Commandant, j'ai une embuscade rebelle en visuel. On a perdu une navette et nos hommes sont débordés. Continuez, agent, nous verrons ce que nous pouvons faire. Un 18 de DM et DM qui... oui, mais ça va m'enlever quoi en fait? Bon, la grenade, j'utilise pas souvent, ça peut être pas mal, genre. Ça permettra d'avoir un avantage plutôt convaincant. Miracle. On disait là, mais je vois... Ah, il est énorme. En avant. Les deux posés du lanceur et appuyer. Ok, d'accord. Merde. Merde, j'ai activé un truc point. Ok. Entre-moi les... Allez, on va aider nos alliés, éliminer les rebelles. Wow, elle est là, quoi. Les explosions me font laguer, le processeur il se fait bouffer à mort. Donnez vos positions et ripostez. L'escouade Inferno. L'Empire évacue Andor.
coup. Pour l'instant, c'est assez... en normal, ça va. Après, je sais pas s'il y a des boss ou des trucs comme ça. C'est bon. Ah là là, ce pauvre petit soldat. Les pingouins. Les pingouins, comme on dit. On peut repartir. Ben oui, on peut repartir. Se rendre à la plateforme 4. Nous n'attendions pas les plans spéciales. Ah, ben si. C'est le principe, sergent. En tout cas, on vous doit une fière chandelle, commandant. D'accord, et la plateforme 4, c'est quoi, c'est ça? C'est ça? On va voir si on peut aller là déjà. J'imagine. J'ai besoin d'un piratage. Ah, bah. Objet trouvé. Bon bah c'est pas mal, on a des objets trouvés. Alors là je sais pas du tout trop aller. Oui, ils ont l'air de regarder par là, donc c'est fier stand. Ah, je me suis brûlé. Commandant, des rapports pour état de transport ennemi se posant sur Endor. Il déploie des troupes partout sur cette lune. Mieux vaut ne pas s'attarder. Ah, à chaque fois ça me fait flipper ça. Commandant, regardez. Déployez-vous et soyez prudents. On a déjà perdu deux patrouilles. À l'attaque. Moi, de leurs alliés peuvent déployer. Il est un peu mort. Ah, soyez prêts. Et voilà. Votre position. J'ai rejoint une escouade sur un bateau. Ils sont les petits Ewoks. Je vous attends avec l'agent Ask pour rentrer. Oh. On arrive. En tout cas, je lag vachement moins en moyen déjà. C'est déjà cool. Ça bouffe moins le procès. D'accord, en fait, ça a été les alliés. Par contre. Agent Hugo, au rapport. Commandant, les rebelles ont pris la plateforme numéro 4. On va devoir se battre pour la récupérer. Déjà prêt, on dirait. Soldats, nous allons reprendre cette plateforme. Genre comment, genre... Chut, ta gueule, ta gueule. Se dévorouille en juin. Alors, on va enlever ça déjà, et on va mettre... Des tirs de placer avec... Non, ça, on s'en fout. Et ça, on va s'équiper ça. Parce que vraiment, le truc qui empêche... Les disruptions, bah, je trouve un peu caca. Eh ben, allez, bah ils sont chauds, bah dis donc. Scan. Le commandant. Les chasseurs TIE sont sur le pont supérieur. Ouvrez le feu. Les rebelles ont volé un blaster. Ce plantage résiste au blaster. Parfait. Ah d'accord, ils utilisent un effet. Putain, on va devoir aller. Neutralisation, vite. Ah ouais, d'accord. C'est ça le boss. Localisation des ennemis. Oula, le lag. Stop.
Ah d'accord. Allez, c'est fini pour toi. Attention. Mes postes de surveillance à terre, je répète, CSTT à terre. Même avec une puissance de feu supérieure, les rebelles ne peuvent pas gagner. D'accord, l'officier est vraiment chaud. Montre-moi les cibles potentielles. Atteindre le niveau supérieur. D'accord. Alors, on n'a pas d'ennemis potentiels. Hop là. En tout cas, et en qualité moyen, c'est pas dégueulasse vraiment. Bon, à part les ondes qui sont un peu caca, mais ça c'est pas grave. Ok, donc, bah, let's go. Interagir. Extraction, j'ai vraiment comment on se déplace genre en mode pas mal ce système de rechargement, mais bon, on peut recharger, mais c'est pas mal. J'ai une chance d'être commandant. Le tue les officiers, ça peut être. Mais prends tes balles, quoi. Alors. Ok. Scan. Allez, allez, let's go, on va prendre le chasseur TIE. Bah alors, monsieur l'officier, avez-vous un problème? Chaque fois je me trompe. Allez, c'est parti. Alors, comment on rentre là-dedans? Waouh! Même si j'ai vu tous les Star Wars, même si on voit dans l'éveil de la force. Est-ce qu'on aura une petite mission en vaisseau? Oh, chaud. Des Steam Stormtroopers volants. L'amiral a créé Inferno pour que ce genre de choses ne se reproduise plus. Je sais. J'ai du mal à croire que c'est tout ce qui reste. Il envoie un petit empereur, non? Wouah, trop beau, j'adore. Peut-être les éviter de loin. Attends, c'est moi ou il est en feu déjà? On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincu. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera. Comme lorsque la première étoile de la mort a été détruite. On s'adapte. On meurt. Jamais il prend un vaisseau qui est en train de créer. Oh, par contre, ça sert quoi de faire tout ce tour? On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Les machines sont touchées, mais l'équipage les répare. Bah ça va. Demandez les coordonnées du ralliement à l'amiral. Commandant, je capte des signaux de vaisseau à l'extérieur du champ de débris. Il y a des impériaux? Très peu. La plupart se sont repliés ou ont été détruits.
J'ai paniqué. Je suis désolé, j'ai paniqué. Oh, je suis con, pardon. J'ai paniqué. Je sais pas, j'ai. Commandant, je capte des signaux de vaisseaux à l'extérieur du champ de débris. Il y a des impériaux ? Très peu. Alors, ils disent attends, ils sont repliés ou. Allez, on refait le tour. Et le destroyer stellaire de l'amiral ? Voilà. Le s'est positionné près du Corvus. Sans paniquer. Il semble être en parfait état. Au moins, Ask n'est pas seul sur le Corvus. On va peut-être s'en sortir. C'est sympa la petite promenade au sein de toi maman, mais par contre qui reste tout ça comme des bruits, pas trop d'accord. Ah bah il est là le poisson. Mais ouais. Wow. Ok, je l'ai pété en deux. Agent Ask, nous approchons du Corvus. T'as-tu des moteurs? Système d'injection ionique à 60%. Je redirige l'énergie des boucliers pour faire redémarrer les moteurs. Wow, on s'est attaqué. Commandant, chasseur en approche. Les bombardiers! Défendez le campus, il n'a pas de bouclier. Allez, c'est parti. Les bombardiers lancent leur attaque. Sache. Une attaque le corps. Oh putain, ça sent dans les débris ça. Ça va qu'on pète pas putain. Attends, quel cul qui tient. On a les coordonnées du ralliement, mais l'équipage a besoin de temps pour réparer les moteurs. Ah si, on non. Va vous le donner. Ah oui, d'accord. Agent Nico, allons nous occuper de ces bombardiers. Oh, je sais pas contrôler. Pas trop. C'est parti, on est tous. Les moteurs seront bientôt prêts, commandant. Oh, je croyais qu'ils étaient d'autres tous bombardiers barrés. En approche sur mon radar. Je veux juste niquer lui parce qu'il arrêtait pas de me poursuivre, qu'il me cassait les couilles. Allez, ok, lui il a pété. Ok, il a pété. Ces bombardiers mettent le Corvus en pièces. Non, jure, mais ça va, laisse-moi juste te secouer. J'ai vu un stand tout à l'heure. Opérationnel, commandant. Juste à temps. Agent Nico, rejoignez le Corvus. Je vous suis. Commandant Versio, dites à votre vaisseau de se replier et rejoignez-moi sur les viscérateurs. Chef. Ordre confidentiel, commandant. Ah, je vous brieferai personnellement. Ah, d'accord. Bien, amiral. Escouade Inferno, l'amiral et moi, nous vous rejoindrons plus tard. Compris, commandant. Et ça se termine comme ça, je me laisse balader. Oui, je me laisse balader, d'accord. La récompense de la page qui est intéressée. Mission, bataille d'entrée. Et bon, on va laisser les cinématiques et on va s'arrêter sur la prochaine mission, bien sûr. Au revoir. Coruscant ? Coruscant. On est bien à Coruscant, oui, qui est la capitale de l'Empire, en fait. Vous vouliez me voir, amiral ? Approchez. L'Empereur est mort. Qu'allons-nous faire, maintenant ? Ah. Nous allons riposter, commandant. L'Empire va s'attaquer à la fondation même des convictions pathétiques des rebelles en leur propre intéressant. Force. Elle est confiante. Alors, Eden. Qu'est-ce qui leur donne une telle force ? L'espoir. Correct. La présence de ce messager est un grand honneur. Un honneur que je veux partager avec ma fille.
Ah, c'est donc mon père le mien. Palpatine. Amiral Versio, le moment est venu de commencer l'opération Cendre. Résistance, rébellion, sédition. Nous ne saurions laisser ces concepts persister plus longtemps. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire en vous avez les sous-titres. En fait, là, on est dans Star Wars Legends. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la suite originale de Star L'opération Wars. Cendre est le tout dernier souhait de notre cher empereur, mais aussi le premier pas vers un futur stable. Inferno est essentiel à sa réussite. Quelle est la cible, monsieur? Vous n'êtes pas habilité. Cette information attendra. Pour l'instant, voici vos prochaines missions. Elles sont singulières. Mais nous vivons une époque singulière. Allez, commandant. Faites notre fierté. Ouais, donc voilà, et en fait, dans Legends, Palpatine a des clones en fait, et c'est ça les clones. Dans le cadre de l'opération Cendre, nous sommes envoyés au champ. J'y connais pas trop parce que j'ai pas eu le temps de regarder, mais est-ce qu'il peut. Vous et moi, nous récupérons des satellites expérimentaux. C'est pour ça que Disney a merdé avec le premier, et assurons la sécurité du Moffret. Agent Miko, le corvus est à vous. Alors que ça, voilà, c'est un truc qui est de Legend, donc ça passe quoi. C'est ça que les gens n'ont pas trop compris. Moi, en tout cas, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Après, non, dans Star Wars, on a 7-8-9, le 9 le prochain, commandant, où ça sera la fin du premier ordre. Le Moffret a informé l'amiral que l'opération Cendre peut se mettre en marche. Et que... Attention, attention, les vaisseaux rebelles ont pénétré l'espace de contrôle. Fuck. Ah d'accord, ok. Et je pense que le 10... Le 10, 11, 12, ça sera... J'espère que ça sera la suite de l'autre. J'ai le plan, commandant. Protégez ce destroyer stellaire. Et voilà, malheureusement, on s'arrête là, parce que comme je l'ai dit, je fais une mission, je m'arrête au début de la prochaine mission. Je m'excuse pour ceux qui sont là, mais non, putain, j'essaierai de sortir les vidéos plus rapidement. En tout cas, je vous remercie à tous, pour ceux qui me suivent, ceux qui m'adorent, et surtout ceux qui me regardent. En tout cas, pour ceux qui regardent jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, ça fait plaisir, mais un commentaire s'il y a des choses à améliorer et tout ça. Moi je prends compte et j'améliore au fil du temps, parce que sinon c'est pas facile. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour de prochaines aventures. Sur ce, bye bye.